Le blouson personnel navigant de l'armée de l'air est indémodable. Nous avons voulu sa réédition pour le proposer aux anciens pilotes de notre aviation, mais aussi aux personnes qui désirent un vêtement de qualité, classe et intemporel. Nous avons donc recréé les trois versions de ce blouson emblématique. Le MAC 70, le blouson devenu célèbre notamment grâce à la série Les Chevaliers du Ciel. Ce blouson était porté par les pilotes de Mirage 3. Le MAC 80, évolution du précédent suite au retour d'expérience des aviateurs français. Et enfin le MAC 90, le dernier de la série en dotation à partir des années 90. Nous avons pris un soin particulier à choisir un cuir d'agneau de premier choix, tanné en pur chrome et teinté bleu pétrole. Nous avons également confié la confection de nos blousons à un ancien maître tailleur de l'armée de l'air, spécialisé dans le travail du cuir. Nous lui avons fourni trois blousons authentiques provenant de notre collection pour qu'il réalise ses propres patrons et les déclinaisons des tailles. Nous pouvons donc affirmer en toute transparence que nos blousons sont 100% français, de la matière à la fabrication, contrairement à ce qu'on peut trouver ailleurs sur le web. Car oui, vous trouverez sûrement le même blouson moins cher, mais nous vous conseillons de vous renseigner sur la provenance du cuir et le pays de fabrication. Le MAC 70 est un blouson développé pour les aviateurs. Son objectif reprend celui des blousons d'aviateurs de la Seconde Guerre mondiale. Doter le personnel navigant d'un vêtement d'extérieur adapté et protégeant à la fois du froid, du vent et de la pluie. Le cuir d'agneau est retenu pour sa souplesse. Ce premier modèle est reconnaissable à sa poche d'épaule ovale. Son col amovible est de couleur marron et en mouton. Il est attaché à l'intérieur du col par une série de boutons. Le MAC 80 diffère légèrement. Seule la forme de la poche change. Elle devient rectangulaire avec un rabat qui évite de perdre son contenu. Sa fermeture avant est de la marque éclair. Le MAC 90, enfin, voit son col amovible changer. Il est attaché par un zip et est de couleur noire. La doublure intérieure du blouson devient quant à elle amovible, une demande récurrente des pilotes pour supporter le blouson, même en été. Hormis ces trois différences évoquées, les trois versions reprennent les mêmes caractéristiques. Un col surpiqué, deux pattes de réglage au niveau des hanches, une poche intérieure avec un gilet fluorescent orange, deux poches extérieures à pression et deux poches portefeuille. Si vous souhaitez acquérir l'un des trois modèles, comptez au maximum une à deux semaines si nous n'avons pas votre taille en stock. En effet, avec une production artisanale, nous n'avons pas forcément toutes les tailles pour tous les modèles le jour de votre commande. Dernier point pour terminer cette présentation. Nous ne fabriquons plus nos blousons sur mesure, comme par le passé. Nous avons mis à cet effet les mensurations sur chaque page produit. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur nos blousons. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, contactez-nous, nous répondrons à vos interrogations. Si cette démonstration vous a plu, cliquez sur le pouce et cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. À bientôt.